vais dire soit ça passe, soit ça casse. Avec Snack Pass. Tu as un très mauvais accent anglais. Non, évidemment, on dit pas Snack, mais on dit Snake. Comme dans Metal Gear Solid. N'éteins pas la Xbox One lorsque l'icône de sauvegarde automatique est affichée. C'est vrai qu'un serpent ça peut ressembler à des nouilles. Pourquoi pas? J'avais jamais pensé à ça. Putain, ça vibre vite. Hein. Oh! Ah!
va éviter la pièce. Parce que commande attraper que plonger. Ok. Tu ne sais pas lire. Avancer prise. S'approcher. Avance. Ne sois pas pressé, surtout. Elle a été assez bien. Vous êtes en train de me dire qu'il y avait 5 pièces à choper. On en a vu qu'une. Soit on est aveugle, soit c'est invisible. Je sais pas. Mais c'est assez impressionnant. Hein. On a loupé 5 trucs. Attendez. Vous avez beau être n'importe où dans le monde, il y aura toujours des gens obscurs, de cultes, de je ne sais pas quoi, qui viendront vous faire chier chez vous. C'est un truc de fou. Ça doit être à cause de FF7. FF7, le remake, ça les a réveillés. Les témoins de Genova. Caché, j'ai pas l'impression. Et donc comment on fait? Enroule-toi, d'accord. Avant de s'enrouler. Est-ce qu'il y a d'autres passages par ici? Pas l'impression. Passer par la maison. On va éviter.
D'accord. C'est chaud quand même. C'est chaud, ouais. De faire du sur place, s'il te plaît. C'est un instrument de musique ou ça va faire du bruit, je sais pas trop pourquoi. Qui est plutôt sympa en tout cas. Ah, d'accord, il n'y a pas les trois pierres, évidemment. Ah, c'est bon, j'ai compris. Oh putain, il y a un truc caché ici. Voilà. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Je sais pas. Je pense que oui quand même. Oulala. Oulalalalalala. On va jusqu'où là? Ah. C'est dur la vie d'un serpent. Vas-y, monte. On va trop vite en fait. Non? Mais non, tu m'as fait tomber. Espèce de je sais pas quoi d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle ces oiseaux. Ah bah c'est bon, on peut aller dans l'eau. Bon. Les pierres bleues, on en a eu pas mal. Heureusement qu'on ne dirige pas un anaconde parce que s'ils sont, on serait à la merde. Allez. On va aller par là plutôt. Hop. Voilà. Là, il y avait une pièce. On peut la choper. Affirme ta prise avec LT. Ah d'accord, ça nous permet d'avancer plus lentement en fait. Oh. D'accord. Putain, on aurait dû savoir ça pour la pièce tout à l'heure. C'était ça, donc au niveau 1 il y avait 5 pièces du coup. La vache. Attendez, on est revenu au début là.
On est revenu au début. Il y a un trou. Il y a ce trou, ouais. Putain la vache. Ah, c'est chaud là. On peut pas sauvegarder. Parce que si on repasse sur un point de sauvegarde, on va sauvegarder. Je veux bien tenter, mais ça me fait un petit peu peur quand même. Ça me fait très peur même. T'avais pas vu toi en haut, dis donc. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui. Par contre, pour un pied, ça va être chaud. Hein. Oh, oh putain, on l'a eu. Ouf. Ah, c'est chaud. Oh putain, on l'a eu. Truc de fou, quoi. Il y a un truc là-bas, je sais pas si on peut y aller, mais ça me semble super loin là. C'est flippant ce jeu. Est-ce que... Ah, ça sauvegarde. Attendez. Par la folie. Toi aussi, je t'avais pas vu, dis donc. Ah. 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 Oh oui. Oh oui. Il nous en reste deux. Faut faire gaffe. Voilà, on se barre. Enroule-toi et grimpe. Oui, j'ai compris. Hein. C'est pas super certain. Ah bon? D'accord, d'accord. Troisième pièce, merveilleux. Ah, je crois qu'on est, pas mal. Hein. Ok. Ah, c'est un colibri, je crois. C'est ça, je crois que c'est un colibri, ce piaf. Je me souviens du nom. Oh, il y a une pièce ici. Et la dernière, elle est en bas, en fait. Attendez, on va essayer d'avoir la pièce. Du coup. Point de sauvegarde. Parce qu'on n'est pas fou quand même. Il était où, le point de sauvegarde? Il était là, je crois. Voilà. Bon. Si on peut passer par là.
C'était par là la pièce. On doit pas être très loin. C'était là? C'était là. Elle est en dessous, ouais. Elle est en dessous. Donc ça, c'est ça qui est chiant. On a tout gardé, hein. On a tout gardé. Elle est pas là? Attendez, s'il y a pas un... Non, non, elle est de l'autre côté. Là. Elle est là. Elle est là. Bon, c'est vraiment con, voilà, on est à une pièce quand même. 100%, donc on va essayer de finir moins un niveau à 100%. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça sur un premier niveau, ça aurait peut-être été plus simple. Mais ouais. Il n'y a pas de point de sauvegarde. Ah si, il y a un point de sauvegarde là-bas. On va les sauvegarder là-bas. On sera à côté comme ça. Par contre, hier, quand j'ai joué à Hollow Knight, j'ai vu qu'il y avait un décalage. J'avoue que je ne m'attendais pas trop à ça. Merde. On tient le bon bout, je crois. On tient le bon bout, mais... Donc ouais, il y avait un décalage dans Hollow Knight. Je sais pas trop pourquoi il y avait un décalage, parce que bon... Le principe, c'est la Xbox hein, qui gère tout. Je pense pas en plus avoir mis l'option pour... qu'il n'y ait pas de décalage, en fait. Le décalage le moins possible justement, donc ça devrait pas mettre les bâtons dans les roues de la console. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. À mon avis, il faut s'enrouler, je pense. Pour pas aller chercher la pièce directe, il faut s'enrouler. Ah. Pas comme ça. Va-t-on y arriver? Ouais, c'est chaud hein. Ouais, c'est super chaud quand même. Surtout qu'en plus dans des jeux comme ça, bon peut-être qu'on peut regarder des gens jouer, mais je pense pas que ça va nous aider énormément quoi. Parce que ça c'est vraiment du gameplay pur. Donc faut vraiment manier les touches à la perfection en fait. Vous avez beau regarder des gens jouer, ça peut vous donner des indices, mais après c'est à vous de faire le boulot quoi. C'est comme un jeu comme Super Meat Boy. Vous avez beau regarder des gens jouer à Super Meat Boy, ça va pas vous apprendre à jouer. Hein. Vous êtes obligé de vous améliorer au niveau du... de votre façon de jouer quoi, un petit peu comme Sekiro et tout le truc comme ça. Oh putain de merde!
Non, on l'avait. Ah, on l'avait. On l'avait. C'est bien enroulé. Hein. Attendez, c'était où? C'était là. Hop. Non, c'est plus facile de partir d'en bas. On est plus proche. Ah putain, il s'est pas agrippé, con. Ah, c'est la même merde, hein, vraiment. C'est la même merde. S'enrouler beaucoup plus. Heureusement que la musique du jeu est sympa. Hein. Bon. On va y aller tout doucement. Signifie rien pour toi. Effectivement. C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes apparemment qui l'ont eu ce succès. C'est assez bizarre quand même. Merde. Putain, on aurait pu peut-être repartir. Peut-être si notre queue touche le... la pièce, je pense que ça doit marcher aussi. On n'a pas besoin peut-être de tergiverser sur le bois de bambou là. Sur le bambou. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh putain, on l'a eu. Ah donc c'est bien ce que je pensais. Hein. Suffit de toucher même juste avec notre queue et c'est bon, ça valide. Bon bah comme ça, on aura au moins fini un niveau à 100%. Je suis content. Ça déjà c'est un ce trois pierres clés. Ok, ok, mais ça c'est pas dissonante. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? C'est quoi déjà? J'ai oublié. C'était une figure de style. Les oiseaux qui chantent.
On se fait attaquer par des oiseaux. Je sais pas si les serpents ils peuvent se faire attaquer par les oiseaux. Peut-être par les aigles. Tout ce qui est aigle, peut-être les vautours, les condors et tout. Ah d'accord. Ouais mais je sais pas s'ils ont des prédateurs en fait. Putain c'est... C'est la fête au succès quand même. Oh merveilleux. Oh putain une pièce. Bon les pièces maintenant on va arrêter. On a eu 5 pièces dans un niveau. Je suis comblé. On va juste essayer de choper quand même les trucs bleus. Si c'est pas trop dur. Oh c'est énorme. Ouais, à mon avis, il faut passer en haut. Avance. Oh putain, il va tomber. Alors attendez, on peut aller là. Aller là. Putain, il y a une pièce en plus. On est devenu un pro là. Oh putain, une pièce. Ok. Ok. Un truc en bas, il y a un truc ici aussi. Comment on va faire pour l'avoir elle? Ah, faut peut-être passer par là. Même il faut passer par là je pense. C'est ça. Ok. Ok. On en est à la moitié. Putain la caméra quoi. On a loupé une bulle. Faudra retourner en arrière. Attendez. Hop. Hop. Bon, faut faire gaffe parce que je crois qu'on n'a pas eu de point de sauvegarde donc voilà il y en a un là justement. Ok donc il y a un truc ici, il y en a un autre là. Ok c'est parfait ça. Bon, on viendra après. On va d'abord aller ici. Oh putain, il y en avait une cachée. Voilà. Il nous en reste 4. Il y en avait 2 là-bas, il y en a une là. Il y a une pièce tout en haut là. Ok. Ok. Là. Ça
palais de coton là. N'empêche que si dans la vraie vie il y avait des serpents qui tombaient du ciel, ça ferait peur. Hein. Attaque de serpents qui tombent du ciel, quoi. Du gameplay là. Est-ce qu'on peut choper le truc là-bas? Peut-être en partant un petit peu plus haut. Ah oui, ça devrait le faire. Ouais, quand même. Hein. On a encore les 4 pièces. Il nous manque une bulle. Une pièce et une bulle. Je sais pas ce que ça fait, ça y a un bruit à chaque fois, mais... C'est sympa, franchement. Ah, il y a une pièce. Non, 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 attendez, attendez, j'ai pas sauvegardé. Attendez, attendez. Il y a un point de sauvegarde là. Bon, voilà, vu que la pièce est ici. Est-ce qu'on peut voir la bulle? La bulle est plus chaude à trouver que la pièce au final. C'est assez marrant. Les serpents qui volent qui tombent. J'ai augmenté mon son. C'est mieux comme ça. Alors... est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Les pièces comme ça, elles sont chaudes. Hein. Téléphone qui n'arrive plus à reconnaître mes empreintes. Vite, vite. Bon, on a eu la pièce. Mais on n'a pas eu la bulle. Bon, j'ai l'impression que les bulles sont quand même plus simples à avoir. Mais là... elle doit être cachée sûrement. J'ai pas l'impression qu'elle soit en hauteur.
peut-être au début du niveau. Peut-être au début du niveau. Ou pas. Peut-être qu'il faut frapper ce truc. Pas du tout. Ça m'étonnerait quand même que ça soit caché ici. Bon, j'ai pas l'impression que les bulles soient, ce soient les trucs les plus durs à choper comparé aux pièces. C'est bizarre. C'est ça, il nous en manque une. Hein. Où est cette maudite bulle? C'est mignon, attendez, je vais prendre un screenshot. Comment on fait? Capture d'écran enregistré. Il est tout mignon ce petit serpent. D'ailleurs en ce moment, je crois que c'est jusqu'à lundi, il y a The Division 2 qui est à 3$ dans le store Xbox. C'est assez impressionnant. J'ai envie de dire, bah donnez-le, hein, si vous le mettez aussi un peu cher. Autant le donner. Ah putain, mais elle était là, mais quel con. Elle était pas cachée en fait. J'aime pas trop. Ok. Belle glissade. Attendez. J'ai envie quand même de faire une petite vengeance. Ce que je me dis, c'est quand même con. On a fait dans les deux autres niveaux les 5 pièces et pas dans le premier niveau vu qu'on a vu qu'une pièce quoi. Encore on n'aurait pas vu enfin on aurait vu les autres pièces mais on n'aurait pas pu les attraper, je veux bien. Merde, on aurait dû se mettre en mode arcade peut-être. Ouais, on se retape la scène cinématique. Bon, c'est pas grave. Parce que j'étais aveugle. Voilà, il n'y a pas de pièce, mais il y a une pièce là-bas. J'avais pas du tout vu. Surtout qu'elle était pas dure à attraper. Tiens, un truc en bas. Oh! Ah d'accord. C'est limite plus chaud ici que tout à l'heure quoi.
Est-ce que je vais réussir à choper la pièce? Putain, la caméra, c'est horrible. Ah ouais. C'est beaucoup plus chaud quand même que le deuxième et le troisième niveau. Hein. Cud. Oh putain, on aurait peut-être pu y arriver, mais on y voit que dalle avec la caméra, quoi. Mon ami le colibri nous a lâchés. Très méchant de sa part, très très méchant. Bon allez, on va y arriver là. C'est marrant quand même que le premier niveau ait des pièces beaucoup plus dures à choper que les autres. En principe, c'est l'inverse. Le premier niveau est beaucoup plus simple que le niveau 2, le niveau 3 et tout, mais ce jeu, c'est l'inverse en fait. C'est pas le moment de mourir. Voilà. Oh. Mais genre quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres pièces par ici? La caméra est pas très gentille quand même. En effet. Ah mais oui, c'est la pièce de tout à l'heure ça. Bon, elle devrait être plus simple à choper quand même. Peut-être. Peut-être. On va éviter de dire des trucs si on meurt en boucle. Ça serait un petit peu con quand même. Il manque une pierre clé, oui, je sais. Dépêche-toi. Oh bah elle était simple en fait à choper elle. Il n'y avait rien de dur en fait. Après faut juste trouver la dernière pièce par contre.
vais sauvegarder. Où te trouves-tu, dernière pièce? Peut-être là où il y a la pierre pour finir le niveau. Je sais pas du tout où elle peut être. Mais peut-être que là on a eu la dernière pièce. Peut-être qu'elle se trouve avant en fait. Elle va se trouver avant. On a dû la dépasser. Plus vite! Arthur le serpent, plus vite. Putain, le con. On va être bloqué. Je sais pas si ces pièces font du bruit. Ah. Ce que j'entends un bruit. J'entends un bruit, mais je sais pas si c'est là en fait. Quoique on peut mourir, faire exprès de mourir, ça nous permet de voir un petit peu l'extérieur du niveau. Comme ça on peut voir s'il y a une piège cachée à l'extérieur. Peut-être en venant, je sais pas. On va pas abandonner à une pièce quand même. Peut-être au tout début du niveau. Ce truc là. Ça sert à quoi ça? Ça sert à rien. Oh putain, je la vois. Elle était là. Encore une pièce bien chaude à voir.
Et pourquoi? Pourquoi il m'a... Il était en train de me choper. Le colibri, il nous a lâchés. Je t'ai pas demandé de me lâcher, putain. Merde. On y était presque. On va y arriver. Bon, le mieux, ça serait quand même de rapporter la pièce. Pas juste de la prendre. Réussi à faire passer la tête. Non, elle est trop lourde. C'est vrai que c'est plutôt bien fait quand même. La gestion du serpent comme ça. Pas mal ça. On vient quand même de choper donc le niveau 2, ok, donc les trois premiers niveaux on a tout. C'est bien. On se disait qu'on n'allait pas faire toutes les pièces. Mais c'est... Voilà. Mais bon, elles étaient faciles. Et du coup, ouais, je sais pas du tout à quoi ça sert. Par finir le jeu peut-être à 100%. Peut-être qu'on peut débloquer des trucs après avec, je sais pas du tout. Pam 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 param. Évidemment. Vous savez quoi, allez. On va
On va juste activer maintenant les portails. On va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Si à un moment on va avoir besoin des bulles, des pièces, ou pas. Et on fonce. On change de technique. Allez, tu peux le faire. Vas-y, Maurice. Pourquoi qui s'y bloque là? On peut pas. Allez, Maurice. Bon, Maurice a eu un petit peu de mal. On va faire l'inverse de ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire finir au niveau avec rien du tout. Mais bon, faut quand même chercher les pierres parce que... Merde, on était peut-être obligé... Non, c'est bon, c'est bon. Putain, elle est où la fin du niveau? Là, il risque d'y avoir un truc en haut. Blablabla. Ouais, évidemment. C'était pas par là qu'il fallait passer. Le rouge est là-bas. Merde. Et bon, on l'a eu. Donc faut aller là-bas. Ok. Ok. De toute façon, enfin, j'ai pas inversé le micro. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok.
non, c'est triste. Sans deck, y a quasiment personne qui est arrivé. Enfin, il n'y a que 92% des gens qui sont arrivés jusqu'au quatrième niveau. C'est triste. C'est super triste quand même. Ça me fait un petit peu de la peine quand même pour les développeurs. C'est vrai que c'est un bon jeu. Bon, après, voilà. C'est pas un jeu non plus qui est que sur Xbox. Il existe aussi sur PlayStation et sur Steam. Je sais pas s'il existe sur Switch. Je crois qu'il existe sur Switch aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Enfin bon, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué au jeu. Mais qu'il y a très peu de gens qui ont continué en fait. C'est dommage. C'est pas un mauvais jeu, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est spécial, mais bon. Oh, c'était juste pour essayer. Ah, c'est sympa, la musique a changé en plus. Oh putain, on peut aller dans l'eau. Oh, c'est énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, c'est super ça. Il y a un interrupteur. Oh, c'est énorme, je n'attendais pas ce qu'il y ait de nouvelles mécaniques dans le jeu en fait. Donc je suis assez impressionné là. Merde. Je suis assez impressionné. Voilà, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qui est dommage, c'est que du coup les gens qui sont arrivés que jusqu'au quatrième niveau, peut-être même qui ont arrêté avant, bah, ils n'ont pas pu voir qu'il y avait de nouvelles... Bon, c'est pas non plus des trucs de fou, mais ils ont pas pu voir qu'il y avait de nouvelles mécaniques, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez dommage, quoi. Tu me dis, il faut que j'active ça. Faut faire comment? D'accord, il y avait la pièce là, juste là en fait. Vas-y, monte. Ah putain, il y a des trous. D'accord. On peut pas... Peut-être qu'on peut pas... Ouais, on peut pas monter ici. Putain. Ça commence à être chaud rien que pour arriver à la fin du niveau là. J'espère qu'on n'a pas oublié de pierre. Hein. Aucune idée.
Il faut la faire bouger. Ça devrait être bon là. Mais vas-y, roule. Ça c'est cool parce que il y a la pierre rouge, la pierre jaune. Soit on l'a loupée, soit elle est un petit peu plus loin. On l'a peut-être loupée. Attendez. Elle est là. Non, peut-être qu'on l'a pas loupée. C'est peut-être après la pierre rouge qu'il faut la choper. On va voir. Bien fait de sauvegarder. Hein. Non, qu'est-ce que tu fais? Hop. Hop, vas-y, passe. Hop. Oh, ils sont gentils, ils ont mis un point de sauvegarde ici. Ok, donc le jaune est là. Comment je fais pour y aller? Oh. C'est peut-être en allant en face. Putain, attendez. On doit aller où là? C'est un levier, c'est ça. Ah ok d'accord. Enfin ok d'accord. Je sais pas si c'est ok d'accord parce que... On peut monter maintenant? Ah peut-être en passant par là. Ah c'est ça. Ok. Ah, les niveaux sont longs quand même là.
pas la même chose que tout à l'heure. Eh bien, c'est vraiment sympa. On va essayer un autre niveau. D'accord, c'est Doodle et Noodle. Ça aurait été marrant d'appeler Vermicelle et Vermisseau par exemple. On est Vermicelle et on a notre ami Vermisseau avec nous. D'accord, on est bloqué. Putain, il y a des pics. Ce jeu devient dangereux. C'est bon, on est sain et sauf. Oula. Ok, donc là, apparemment, il y a un truc à choper. Une pierre. Ok. Il n'y avait pas un point de sauvegarde. Merde. Sa prochaine zone, elle me fait un petit peu peur là. Ouf. Attendez. Attendez. Ok, la pierre jaune est là.
faut trouver la pierre rouge. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire pas trop confiance, ces machins. Putain, ça va être chaud. Rester concentré. Vas-y, pousse. Pousse mes mères. Ok. Bon, on peut monter. La rouge est ici. Putain, la vache. La vache. On s'est fait piquer la queue. Ça, c'est fatal, la queue qui pique. Putain, c'est chaud. Putain, qu'est-ce qui se passe? On est enroulé, c'est un truc de fou. Là. Ok, c'est bon. Point de sauvegarde, point de sauvegarde. Pas de point de sauvegarde. Ah. On est sauvé. C'est peut-être pas par là qu'il faut passer. À quoi que. Attendez, on va se suicider parce que... Ah, on peut peut-être passer par là. On va se suicider quand même.
Parce que ça sert à rien en fait, si. L'impression que ça sert à quelque chose. Hein. Ah, faut peut-être passer là-bas d'abord. Aller dans l'eau. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est quand même plus simple. Après, faut bien gérer le stick, la prise. Mais c'est vrai que quand on sait comment ça marche, c'est quand même assez fun. Ok, c'est bon. Merde. On est tombé. Là, faut pas tomber parce qu'on perd du temps quand même. Et beaucoup de temps. Merci. Que je viens de dire. Il faut pas tomber, putain. Merde. Oh putain. Là, Snake Pass, c'est plutôt Snake Cass, hein, parce que ça passe pas trop là. Vas-y, accroche-toi, 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 accroche-toi. Hop, voilà. Oh non, attendez, il nous en manque une. Il nous en manque une, je crois. Oh putain, il nous manque la jaune. Mais elle est là, je crois, la jaune. Attendez, attendez, attendez. Ah, elle est là. Elle est là. Peut-être en passant par là. Ils sont sérieux là? Y a pas de point de sauvegarde. C'est horrible. Par où il faut passer. Putain, mais arrête. Monte. Putain.
Faut aller où là? Faut les passer par là. Putain, la caméra. Au secours. Ouais. Le seul problème du jeu, c'est la caméra par contre. Ça, j'avoue que la caméra est vraiment assez mal faite. Mais sinon, bon, à part ça, ça va. La caméra est horrible. Et donc c'est par là qu'il faut aller. Merde. Oh là 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 là. Ouf. Sainte mère de Dieu, con. La vache. En plus, il y a des pics. Oh mon Dieu, c'est horrible. Essayer encore une ou deux fois, mais peut-être que ce niveau va avoir notre peau. Et merde. Ah.
qu'on va y arriver. Par en dessous, ça met la caméra quoi. Non. Bon, cette fois-ci on va essayer de pas se faire avoir par les pics. Non, ne tombe pas. Je le sens mal. Je le sens mal. On va déjà s'accrocher. On va avancer à droite. À gauche. En bas. En haut. À droite. En bas. En haut. Ok. Oh putain. Allez, on avance. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en haut. Voilà, à droite, allez en haut, hop. C'était fatigant. C'était fatigant. Waouh. Et du coup... Il y a 4 niveaux par monde. 5, 6, 7... Enfin, il nous reste 2 niveaux quand même. 2 niveaux si on veut finir ce monde. Ça, pas d'inquiétude, Noodle ne peut pas se noyer. C'est vrai que les serpents, je sais pas comment ils font pour respirer, s'ils peuvent respirer sous l'eau, mais c'est vrai que parfois il y a des serpents dans l'eau. Je sais pas. Donc là il y a le truc rouge. Et là il y a le truc vert. Et en face il y a le truc jaune. Ok. On voit déjà les trois pierres. Et la sortie devant nous. D'accord. On va commencer par la verte.
Oh putain. Commence bien. Hein. Commence très très bien. Et là, est-ce qu'on peut. Hop. Non, non, on peut pas. Merde. Bien s'attacher à celui-là, comme ça. On ne pourra pas monter. C'est exactement ce que j'avais prévu. Ah, ça devrait être bon là. Putain, vite. Mon Dieu. Ok, c'est bon. L'émeraude est là. Oh là là. Ça sent mauvais. Non, c'est bon. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Je crois qu'on est bloqué. On a tué le serpent. On a tué le serpent. Oh la vache, c'est hard. Putain de merde. Il vaut mieux ne pas utiliser le colibri. On va essayer sans. Bah c'est mieux sans le colibri au final. Alors, est-ce qu'on peut retourner au début sans se faire tuer? Je dirais que oui. Et la rouge. Le rubis. Putain, il y avait un trou ici. Oh merde, il y a un interrupteur. Va falloir l'activer à mon avis. M'étonnerait qu'ils aient mis un interrupteur pour rien. Peut-être dans l'autre sens. Ça doit être dans l'autre sens. Un passage secret, je sais pas.
On verra après. Le truc rouge est là. J'ai l'impression que ce niveau est plus facile que celui qu'on vient de faire. Hein. C'est assez étrange. Oui. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Pas du tout. C'est bizarre, j'ai l'impression que la capture a du mal. Pourquoi? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la vidéo. Mais je sais pas pourquoi ça bug. Est-ce que Microsoft aura des problèmes? Je sais pas. Possible. Moi, ma connexion marche bien. J'ai pas de téléchargement en cours, donc. J'avoue que je sais pas du tout. Ok. Très bien, mais ça nous dit pas comment aller de l'autre côté. Il y a un autre interrupteur activé. Ouais, on va mettre ça sur pause pour voir. Je vais aller dans...
paramètres. Il n'y a pas apparemment de paramètres spécifiques. Ça doit venir de Microsoft. C'est juste pour une pièce. Ouais, ah, quoique. Peut-être qu'on est obligé. Ah non. Mais c'est dans l'autre sens encore. Je sais pas pourquoi ça bug. Aucune idée. C'est assez étrange. Ouais, j'essaie avec Twitch, mais je sais pas. En fait, fallait aller là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'ici, il y a un interrupteur là-dedans? Oui. Ok. Du coup, c'est peut-être pour ça que Hollow Knight aussi avait des bugs. Au niveau de la connexion.
Heureusement que j'ai la fibre hein, quand même. Parce que putain, sans la fibre, mais qu'est-ce que ça serait? Alors bon, après, c'est la fibre japonaise. Bon. Le Japon n'est pas très réputé pour avoir les meilleures connexions du monde. Ok, on est bon, on a fini. Je ferai un test là de 5 minutes sur Twitch pour voir. Mais ouais. Là, ce matin, Microsoft avait des problèmes au niveau apparemment des serveurs. Peut-être que ça vient de là. Je ne sais point. Ici, je vais faire un test avec Twitch et je verrai bien comment ça marche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Bye bye.